Bonjour, je vous souhaite tous très très bien. Là, j'ai la box du mois de décembre à vous présenter. Dégustabox. Alors, c'est la, je crois, la troisième ou quatrième box que je vous présente. Je l'ai ouvert. Je regardais brièvement dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai voulu faire la surprise. Vous êtes prêts? On va découvrir ça ensemble. Allez, intro! On ouvre la box et là, qu'est-ce qu'on découvre? Encore des bons produits. Là, la box Dégustabox du mois de décembre 2022. Donc, il y a derrière toutes les descriptions des produits qu'il y a dedans. Alors, il y a aussi des petits, des petits coupons, des petits feuillets à lire, un petit coupon derrière pour un jet. Non, c'est pas l'avion. Hein. Apparemment, c'est une liqueur à la menthe, elle doit être dedans. On va découvrir ça ensemble. On va prendre déjà, alors ça, c'est une capsule, Victor, à café. Alors, je vais les ouvrir quand même pour vous montrer. Commençons les capsules parce que tout le monde n'a peut-être pas les mêmes cafetières. Voilà, c'est des expresso apparemment, des petites capsules comme ça, expresso. Ça, c'est sympa ça. Le café expresso 100% arabica, intensité 5. Vous voyez, il est des blondes, médium, dark. Alors, plus l'intensité est numérotée, plus c'est fort. Là, apparemment, c'est blond, donc c'est entre les deux. Apparemment, il y a un deuxième. Hein. Voilà, le deuxième, intensité 5, pareil, c'est entre les deux. Alors, je lis en même temps parce que je suis comme vous, je découvre, hein, vous voyez, je ne triche pas. Je pose ça le deuxième là. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Tout à l'heure, je vous parlais aussi de la liqueur de menthe. Alors voilà, on a un petit échantillon de liqueur de menthe. Je vais l'ouvrir. Alors, je ne vais pas la boire parce que sinon la vidéo, je ne la terminerai pas. Ah ouais, ça sent bon là. Une petite larmiche, hein, histoire de voir si c'est fort ou pas. Ah ouais, on sent bien, bien, bien la menthe. Ça, on va venir des petits gâteaux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Je prends un autre paquet. Alors là, je vous dis franchement, j'ai goûté hier soir. Alors ça, c'est très, très bon et c'est pas du tout salé. Alors, il y a des noix, des noisettes, des noix de cajou. Ah, les noix de cajou, alors là. Ça, Marie et moi, c'est régalé hier soir. Ça, je conseille, hein, sincèrement. Hein, c'est marqué mélange grillé, sans sel ajouté. Et c'est vegan. Voilà. C'est un petit paquet qui est aussi dans la box. Alors, pour les gourmands, il y a aussi une barre caramélisée. Alors, dedans, il y a des amandes, des noisettes. Alors, ça va être bon aussi pour la gourmandise. Alors, je pense qu'il y a des noisettes dedans, mais des amandes sûres. Hein. Regardez. Oh, on continue à la gourmandise. Allez, c'est parti. Ça, vous connaissez les petites fraises Tagada. Ça, vous connaissez les petites fraises Tagada. Parfait pour cuisiner ou alors picorer. Alors, à mon avis, c'est plus pour picorer que cuisiner. Hein. Parce qu'une fois que c'est ouvert, on mange tout, tout, tout. Alors, elles sont petites, celles-là. C'est des petites Tagada. Voilà, sans arôme artificiel. Et ça, c'est bien. Au hasard, une bouteille de jus d'orange, carotte et citron. Pareil, ça, c'est bio, le logo bio derrière. On va prendre du matin jusqu'au soir, il n'y a aucun problème. Alors, on continue sur notre gourmandise. Et là, je le mets derrière, ici. Ça, je prends du wasabi. Alors, wasabi, vous savez, ça pique. Et ils nous ont mis une petite recette avec salade de tomates, burrata et sa vinaigrette au wasabi. Donc, il y a une petite recette dedans sympa. Qu'ils nous ont mis là. Moi, je vais l'essayer. Hein. Donc, ça, on met ça là. Alors, il m'en reste plus que deux. Là, c'est des lentilles. Alors, je mets mes lunettes parce que c'est vrai. Là, je n'arrange pas les choses. Lentilles, carottes et poivrons rouges. Alors, ça, vous pouvez accompagner ça avec du riz. Des pâtes. Alors, il y a un petit exemple derrière. Regardez. 100% végétal, sans colorant, ni arôme, ni conservateur artificiel. Et ça, c'est prêt en 90 secondes chrono. Alors, c'est une petite boîte, un petit sachet qui est aussi sympa. Alors, je vais mettre ça là. C'est pas tout caché. Et puis, il y a encore un petit truc derrière. Et là, c'est une boisson énergisante. Alors, est-ce que François en a besoin? À mon avis, non. Moi, je n'en ai pas besoin. Donc voilà, regardez. C'est une petite boisson. Prêt à faire de plein d'énergie. Découvrez dès aujourd'hui un puissant vent de fraîcheur avec le tout nouveau parfum Rockstar Energy Drink. Alors, saveur pastèque et kiwi. Oh, j'ai quand même le goûter, même si moi, l'énergie, j'en ai. J'ai quand même le goûter. Donc voilà, on met ça derrière. Et puis pour digérer le tout, un petit Ricola, un petit bonbon. Voilà. Ils ont mis ça pour avoir une super bonne haleine. Sève de pain des Alpes. C'est un petit bonbon sympa, mais ça dans la poche. Quand on a bien mangé quelque chose de fort,
On se prend ça et ça rafraîchit toute la laine. Voilà le petit bonbon. Ben voilà, j'ai fait le tour de la box du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, moi, je trouve que la box de mois-ci, elle est gourmande aussi. Il y a des fruits, il y a de la liqueur. Alors ça, c'est bon. Il y a des wasabi, des petits bonbons pour les petits loups, ben pour les gros loups. Il y a des petites capsules. Alors, comme je disais tout à l'heure, à café, comme ça, parce qu'il fait froid. Hein. Donc ça, c'est bien aussi. Il y a aussi un petit mélange pour faire du riz avec du riz et des pâtes. Moi, je trouve que c'est complet. Et puis, pour terminer l'année... Une boisson énergisante, parce que je pense qu'on en a tous besoin. Moi, je trouve que c'est complet. Victor, qu'est-ce que tu en penses? C'est très complet aussi. Voilà. Trouve... À savoir que si vous abonnez à la première box, elle est à 7,99€. Tout ça. Par contre, si vous voulez vous arrêter à la première, vous avez tout à fait le droit. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de partir pour un an ou deux ans. Partez pour un mois, essayez. Et puis, si ça vous plaît, bah, continuez. Hein. Voilà, je peux vous dire que ça. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.